Sur Cannabous TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Sébastien et son Murano 2017 qui est très modifié. On va le mettre comme ça. Fait que ça va bien, Seb? Ça va très bien, toi? Yes! Comme j'ai dit, il est très modifié. Je vais te laisser y aller. Tu peux commencer avec l'Engine B. Il y a du stock là, comme qu'il y en a à l'intérieur, comme qu'il y en a partout. Fait que je te laisse la parole. Bon, tout ce qu'on a fait sur le véhicule, bien, le moteur, les pièces de plastique ont été peinturées. J'ai un Cold Air Intake HPS, cette affaire. Le moteur, il n'y a pas vraiment de puissance de plus. Il y a 300 chevaux au moteur. Ça, c'est le compartiment moteur. Si on parle du véhicule en tant que tel, comme on voit, bien, le hood, il a été râpé. Le toit, il a été râpé. Il y a du rap ici en avant. Il est chrome delete à la grandeur. Il n'y a plus de chrome. Il n'y a plus de chrome. Il est tout tone, là? Il est deux tones, blanc okay. Et noir seulement. Il y a des bumpers avant, arrière, que j'ai fait venir de la Chine. Vraiment pas beaucoup de pièces de disponibles pour un Nissan Murano en Amérique. C'est assez incroyable. Le véhicule, il est statique. Il est sur l'écart, il est droppé de 3 pouces et demi. Il est sur le 14K en avant, 26K en arrière. Ça bouge pas beaucoup. C'est assez dur, surtout sur les 22 pouces. Il est monté sur des 720 Luxury 22 pouces par 9,5. C'est tout petit. Là, c'est vraiment des petites roues. Là. Avec le floating center en plus. Oh, OK. Ah, fait que le centre reste tout le temps... Le centre reste toujours 720 wow. Luxury. OK. Il y a des lumières partout en dessous du véhicule. Dans les roues, il y a des rings de roues qui sont accrochés en arrière des backplates. Des disques DS1 perforés. C'est pas mal ça pour ça. L'intérieur, comme vous avez vu, tout a été fait custom. Le ciel étoilé qui a été fait par QCK à Mirabel. Tout le rembourrage aussi à l'intérieur a été fait par QCK à Mirabel. Cadillac Santos, c'est Dynamic Performance qui a fait à peu près 80% du véhicule. L'intérieur, on a mis des bucket seats en avant, en arrière. On a fabriqué une console centrale en arrière avec la bouteille de champagne, le iPad dans le milieu qui contrôle les lumières, le système de son, contrôle tout ça. On est comme vraiment à l'intérieur dans le luxury VIP. Oui, si luxury on veut. VIP, vraiment. On a fabriqué des braquettes pour les sièges, vraiment faites sur mesure. On a fabriqué des covers pour cacher justement le dessous des sièges pour pas qu'on voit le fond en dessous du siège. Que ce soit plus beau aussi. Mm-hmm. Des tapis en cuir Diamond Shape aussi à la grandeur du véhicule en avant et en arrière. Il y a un système de son à l'arrière, cadence, 4 subwoofers de 350 watts RMS chaque sur un ampli de 1 fois 1000 watts RMS avec une boîte tunée qui développe à peu près 3000 watts RMS total okay. Pour la subwoofer. Puis j'ai les speakers aussi, cadence, equalizer qui est dans le coffre à gants. Toutes les pillars ont été
changé de couleur en avant. Tout était beige à l'intérieur avant. Là, on a un intérieur noir et blanc. Les pillars centrales arrière, plus dans la valise, tout a été peinturé en blanc avec du noir. On a aussi le volant qui vient d'être changé, volant en fibre de carbone dans le temps de carrosse sur les côtés. Quand on parle d'intérieur presque complet, là, c'est pas mal presque complet. C'est moi, je vois pas où ce que tu peux... Toi, je le sais que tu vas me dire, non, non, moi, je vois des places, mais moi, j'en vois pas. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Vous allez le voir quand que ça va sortir, quand on va le faire. Ça va peut-être être cette année, ça va peut-être être pendant cet hiver. On va voir ça. Il était straight pipe, là, j'ai... Il faisait beaucoup de bruit. C'était un VQ 35, straight pipe. Il fait vraiment beaucoup de bruit, puis ça sonnait pas super bien, straight pipe. Il faisait la trompette, comme le monde dit. J'ai mis un résonateur Vibrant Ultra Quiet. Il est muffler d'élite en arrière. J'ai deux embouts doubles en fibre de carbone. Là, il y a un son juste parfait, sourd, numéro un. Puis la petite lumière centrale aussi en arrière, là, juste pour faire une petite décoration. Je dirais que c'est pas mal... C'est pas mal ça? C'est pas mal... Parce que c'était pas mal une bonne liste d'épicerie que t'avais là, hein? C'était ça, une bonne liste d'épicerie, effectivement. Fait que moi, tu viens de dire que ça sonnait bien, fait que je pense qu'on va aller faire la ride, hein? On veut l'entendre. Ben oui, on va tout entendre ça. Excellent, on va aller faire la ride. On va faire la ride. Hé, hey, là, je suis quasiment gêné d'embarquer dedans, non, là. Je t'as pas. Je fais pas ça souvent, là, mais je vais quand même cogner mes souliers. Ah, des sièges de course que je fais. C'est rare, ça. Ils sont quand même pas pires qu'on fout. Bon, fait qu'on part ça. Yes! Seb? Oui? Pourquoi un Nissan Murano 2017? Pourquoi un Nissan Murano 2017? D'après moi, ça doit être un peu à cause qu'il n'y en a pas. C'est pas mal pour ça, la rareté. J'ai jamais vu un Z52 troisième génération. J'en ai pas vu de modifié. J'ai vu des Z50, des Z51, première, deuxième génération. Mais le troisième... C'est rare. C'est rare. J'en ai pas vu de modifié. Puis ça, c'est unique. Quand je suis dans un show... Ouais, t'es souvent le seul avec le Murano, hein? Je suis le seul Nissan Murano. Puis ça a-tu toujours été Nissan ou c'est... Si j'ai toujours été un fan de Nissan ou... Oui, c'est ça un peu ma question. C'est que dans le fond, est-ce que c'était été... Parce que tu sais, je me dis, dans les SUV de cette grandeur-là, il y avait des options. Fait que je me dis, si t'as choisi le Murano, ça devait être à cause qu'il y a un petit quelque chose chez Nissan. Moi, je me trompe, là. Non, ben, quand que j'ai pensé à modifier mon véhicule, j'ai regardé le Nissan Murano, puis... C'était comme un no-brainer, là. C'est ça, j'ai eu 1000 idées qui sont venues en même temps. Les lignes du véhicule, la forme du véhicule, comment qui. J'ai regardé le véhicule, puis ça m'a... Ça m'a popé, ça a pas arrêté de popper. Okay. C'est un Nissan Murano S, de base, okay. Traction avant. OK. C'est pas un all-wheel drive, c'est pas le full loadé, parce que justement, c'était un projet. Mm-hmm. Fait que j'achète pas le plus loadé pour, finalement, tout enlever. Ouais. Ah, je comprends ce que tu veux dire, là, que le son de trompette il est moins là. Ouais, là. C'est ça, il n'y a plus de son de trompette, il est vraiment. C'est juste un son sur les basses. C'est vraiment super ça, c'est vibrant, okay. Ultra silencieux. Juste le résonateur, muffler delete, il donne juste le son parfait. Pas écœurer mes voisins. Ouais. Pourquoi j'ai mis le Vibrant dessus? Il faisait vraiment beaucoup de bruit avant, puis quand que je partais pour un show à Toronto à 12h du matin, 1h du matin, quand je partais de chez nous, fin septembre, qui faisait 18 degrés dehors, mes voisins dormaient avec leurs fenêtres ouvertes, puis ils me disaient, quand t'es parti samedi, on t'a tout entendu. Donc là, j'ai décidé de faire ça parce que là, je me sentais mal, même de sortir à 11h, 11h30 le soir. Je prenais mon autre véhicule au lieu de prendre celle-là parce que je voulais pas déranger mes voisins. Ça fait 21 ans que je reste à la même place. Alors, c'était juste faire ça, un son juste parfait. Il cogne un petit peu dur, mais il y a un certain confort.
Ben sérieusement, j'ai déjà vu plus cogné que ça. Ouais. J'ai embarqué dans des affaires que ça cognait pas mal plus que ça. Là. Ça reste que t'as un certain confort malgré le... Ouais. Puis la passion de modifier les autos, c'est parti d'où ça? Ah, oh, ça fait longtemps que je modifie des autos. En 2000, j'avais une Transam, une Pontiac Transam 91 Formula qui était pas mal modifiée, gros système de son. J'allais au Audio Thunder Show à Toronto. J'étais au Audio Thunder Show à Toronto. OK. J'étais comme 4 ou 5e place, j'ai pas eu de trophée. OK. Pour qualité sonore, j'avais un gros système de son avec 12 speakers, 4 subwoofers, 4 amplis. C'était vraiment professionnel. OK. Puis ça a toujours resté, mais après ça, j'ai eu mon fils. J'avais acheté un auto juste avant que mon fils vienne au monde. OK. Avant que je sache qu'il allait venir au monde. Ouais. C'était un projet, c'était une autre Transam GTA 91. J'allais la monter avec mon ex-femme, mais là, quand que mon fils. Quand mon ex-femme est tombée enceinte. Les projets ont changé. Les projets ont changé. On a mis de l'argent sur le fils au lieu de mettre de l'argent sur le char. Puis aujourd'hui, mais mon fils, il est aussi passionné d'auto que moi. Il a sa Miata 1990, mais là, il va la revendre. Okay. On l'a acheté l'année passée parce que là, il s'en retourne aux études. Il a décidé d'aller aux études puis de mettre ses projets de véhicules modifiés pour plus tard. Fait que, une passion familiale. Une passion familiale, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Papa, il a passé la passion à son gars. Puis en plus, Tommy. Oui. C'est mon fils. Oh, oui, j'avais compris. Les idées qui ont été faites sur le Murano ici. J'ai beaucoup de mes idées, mais mon fils aussi m'a donné beaucoup d'idées okay. qui n'étaient pas sur le véhicule que j'ai faites. Parce que tu trouvais que c'était des bonnes idées? Au début, je trouvais pas que c'était des bonnes idées. C'est pas ça, c'est plus... C'est tout l'investissement que tu mets dessus. Tu ouais. dis pas que c'est pas une bonne idée. Non. Tu dis que c'est pas une bonne idée pour l'investissement que tu vas mettre sur le véhicule pour ça. Une fois que le travail est fait sur le véhicule... C'était une bonne idée. C'était une bonne idée, puis ça fonctionne, puis... T'sais, mon fils il a 18 ans, lui, il voit plus de choses que moi, je verrais peut-être. Ouais. Puis il suit peut-être plus les nouvelles modes que moi. Que nous, les personnes âgées, on suit plus. Ouais, c'est ça. Je me permets, vu qu'on a à peu près du même âge. Ouais, c'est ça. Moi, j'attends encore 4 ans pour commander ma marchette. Ouais, c'est ça. Après ça, ça va bien aller. T'as démuranisé le Murano. Oui. C'est pas dans le dictionnaire. Oui, mais l'académie, qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, démuraniser un Murano, comme tu dis. Oui. Non, parce que l'intérieur, sérieusement, c'est vraiment spectaculaire. Oui. Là. Je veux dire, vous le voyez en ce moment, là, c'est... Complètement custom. Ouais, ça a tout été fait. On a vidé le véhicule. C'est ça. Il y a aussi un soundproofing. Quand le véhicule était complètement vide, j'ai fait le soundproofing dans le toit, dans les portes, okay. dans toutes les places, fait qu'il est insonorisé pour l'intérieur, qui veut dire que quand j'allume le système de son, mais... C'est le système de son. La musique, elle reste à l'intérieur. C'est ça, puis il n'y a pas de rattle. Il n'y a pas de rattle, il n'y a pas de petits morceaux qu'on entend vibrer un peu partout. Quand tu dis démuraniser un Murano, l'intérieur, oui, c'est plus un Murano, mais l'extérieur avec sa drop, oui. les mags, les lumières, les bumpers et tout, ça m'arrive souvent que le monde me dépasse et qu'il ait la tête retournée pour essayer de voir la marque du véhicule qui est en avant parce qu'il est complètement délettré à la grandeur. Pas. Ils savent pas c'est quoi. J'ai un signe Nissan à l'avant puis j'en ai un juste ici. Fait que c'est ça. Puis il y en a un autre juste en arrière dans ma console. Un petit chromé. Ouais. C'est les 3 seuls signes Nissan qui restent sur le véhicule. Fait que c'est ça. Fait que la personne qui connaît pas ça... Se demande toujours c'est quoi le véhicule. Parce que justement, en étant droppé de 3 pouces et demi... Il a plus le stance de SUV. C'est ça. Il a l'air plus long. Mm-hmm. Il a l'air plus long. Fait que le monde, il regarde ça, il dit c'est quoi ça? C'est un SUV? C'est un wagon? Beaucoup de monde arrive à côté de mon véhicule. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un Porsche Cayenne. OK. Je me l'ai fait demander souvent, puis malheureusement, il y a du monde qui m'ont demandé aussi si c'était un Rogue. Oh! Ça fait plus mal. Ça fait un peu plus mal parce que, sérieusement, il n'y a vraiment pas le look extérieur d'un Rogue. Bon, mais ça, faut-tu dire, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est ça souvent, quelqu'un il y a qui des détails qu'il ne voit pas, tu sais. C'est ça, c'est des détails. Mais c'est vraiment... Non, c'est un véhicule unique. Non, ça, pour être unique...
Il en pleut pas. J'ai mis beaucoup d'idées, d'efforts dans cette vie. Ben, d'efforts, comme je dis, c'est dynamique performance qui a surtout monté le véhicule, puis QCK. Moi, j'ai fait des petites choses comme le soundproofing, c'est moi-même qui l'ai fait. OK. J'ai changé des stripes de lumière LED de temps en temps, des petites choses, mais j'ai pas l'habilité pour démonter un véhicule au complet et le remonter par moi-même. On a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses. Moi, je suis bon dans mon domaine, mais dans la modification d'auto, j'ai hésité. Puis j'aime mieux que ce soit des professionnels qui travaillent sur mon véhicule, qui fassent vraiment un bon travail. Exactement. Que le travail, justement, soit fait sur la coche, que je ne sois pas obligé de recommencer quatre fois. Parce que des essais-erreurs aussi, même si j'ai fait affaire avec des entreprises professionnelles, ben on a quand même eu des essais-erreurs. Ben c'est sûr, parce que tu es arrivé avec quelque chose que sûrement que la plupart d'entre eux n'avaient jamais travaillé là-dessus. C'est ça. Tu as beau l'avoir fait sur plein de chars, celui-là, tu l'as jamais touché, tu sais pas, c'est comme une boîte à surprise. C'est ça, là, ça va prendre plus de temps, moins de temps. C'est tout du custom, c'est tout du sur-mesure, parce qu'il y a tellement aucune pièce pour un Nissan Murano. Vraiment, nulle part. En Amérique, c'est pratiquement introuvable. Puis c'est où que tu trouves... Est-ce que je suis curieux de savoir c'est de où que tu trouves le plus de pièces? Sérieusement, là, je trouve le plus de mes pièces qui viennent de la Chine, du Japon. OK. Puis je trouve ça sur eBay. OK. C'est des pièces neuves, mais sur eBay. OK. C'est sur eBay que je trouve... la plupart vraiment, des affaires, parce que sinon... C'est ça. Les bumpers, mes bumpers en avant et en arrière, j'ai payé ça à un prix qui avait de l'allure. C'est le shipment. Mais on parle de 700$ de shipment, là. C'est ça. Ça, c'est un shipment. C'est ça. Mais là, ça vient de loin. La boîte a fait 6 pieds de haut par 2 pieds, par 1 pied et demi. Fait que ça prend de la place. C'est pas nécessairement le poids, c'est la grandeur et ces choses-là. C'est pour ça qu'on paye le shipping. Une fois qu'elle est arrivée et qu'on l'a posée, on est content du résultat après, par exemple. C'est ça, exactement. C'était pas plus compliqué que ça, Zeb? Non, et voilà. Et voilà, donc merci beaucoup pour la ride. Ça a fait un plaisir. Puis vraiment, oui. Un tour d'un Murano, tu peux te compter chanceux parce qu'il n'y a pas grand monde qui font un tour dans ce véhicule-là. Non, puis je veux dire, sérieusement, je pense que ça va être mon premier tour de Murano, puis sûrement un des derniers parce que, comme je te dis... Parce que c'est un véhicule que t'aimes pas. Non. Mais là... Non, parce qu'au Québec, je pense qu'à part toi, à date, en tout cas, je n'ai pas vu. Non, peut-être. Que... Prochainement, on sait jamais. Oui, tu vas peut-être partir à un trend. On sait jamais. Donc, on est de retour de la ride avec Seb. Merci beaucoup pour la ride. C'était vraiment nice, puis c'est vraiment particulier comme intérieur. J'ai rarement fait des rides dans des intérieurs de même. Donc, comme toutes les autres, je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu voudrais remercier. Si tu as des réseaux sociaux à nous laisser, puis si tu as quelqu'un à nous caller pour qu'il se présente à l'émission, je te laisse la parole. Ben, je voudrais remercier ceux qui ont travaillé sur mon véhicule. On parle de Dynamic Performance, on parle de QCK. Cadillac Santos, effectivement, qui ont fait un travail extraordinaire dans mon véhicule. Mon team Pétrole Descendant, je voulais dire un gros merci Pétrole Descendant de m'avoir accepté dans votre team. Pour moi, c'est le meilleur team pour moi. Puis réseaux sociaux? Statique Murano, STATIC, une petite barre en bas, Murano. OK. Ça, c'est sur Instagram? Instagram, Facebook, TikTok, c'est toutes la même. Toutes la même? Oui. Caller quelqu'un, moi, je dirais Mario Deslauriers avec ta Skyline GTST 91. T'es le prochain, on t'attend. Ça, c'est la mauve qui change un peu de couleur, ouais, ça. C'est la mauve, Léon. Oh, Mario, regarde. Chez tes kits, t'es dans le trou, t'es dans le trou. On en parle en plus sur Ladies on Wheel. Ouais. Fait que Mario, t'es le prochain. T'es le prochain, Mario, t'as plus le choix, là. Pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté Focus sur ton build. Oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à survivre. Puis on se revoit dans un prochain épisode.